Dans l'épisode précédent, Yukiya rejoint ses coéquipiers en voiture, dans ses mains, sont pris de la combativité. Pris de la combativité. Thomas, lui, a retrouvé sa famille sur le parking de l'hôtel. Alors, t'es content de venir sur la côte ? Sa femme et ses enfants vont le suivre en camping-car. La belle échappée. T'as jamais appris à dire s'il te plaît, toi? Si. Alors bravo, Thomas. Bravo. 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 Hier soir, Saint-Quentin-Reims. Le plus long transfert en bus pour rejoindre l'hôtel depuis le départ du tour. Oh, le tout, comment il se rattrape, hein? Et là, en quelques secondes, tout peut s'écrouler, c'est terrible. Chacun tue le temps à sa manière. Étirement pour Thomas, repos pour Christophe. Je vais arriver, je vais aller voir l'ostéo parce que j'ai mal dans le haut du dos là. Toujours les mains sur les cocottes, là, freiner là. Donc je sais pas, puisque là on a une heure de route. I have been searching all of my days. All of my days. C'est Reims quoi, sud, c'est quoi? À l'arrivée à l'hôtel, un sponsor a organisé un petit cocktail. Passage rapide des coureurs, on trinque, mais on boit du bout des lèvres. Yukiya, nos partenaires voulaient te faire plaisir. Est-ce que tu leur as fait plaisir hier? Ils ont beaucoup de clients au Japon. Oui. Tu savais? Oui. Bon. Yukiya, t'as bien échappé. Parce qu'on a eu beaucoup de coups de fil du Japon. Oh. Enfin, j'en ai eu deux. Ouais, j'ai eu deux coups de fil du Japon. Ouais. Alors voilà, santé. Santé. Chin. Allez Yukiya. Pas de blocage, hein, mais ouais. C'est tendu. Tu te remets sur le dos, c'est lui. Pourtant, j'essaye de changer un peu, mettre les mains en bas du guidon, les mains en haut, tu vois. Okay. Changer un peu la position pour pouvoir rester. T'as pas eu de risque? T'es loin de la chute? Bah non, en fait quand ça a chuté... Pierrot est chaud, il me disait. Bah ouais, il était 3-4 places derrière moi, je le remontais. D'accord. Parce que je lui avais dit un kilomètre avant, je fais, faut qu'on se replace un peu mieux parce que ça va tomber. Dans les chambres des directeurs sportifs, la journée se termine tard pour Dominique et commence tôt pour Andy. Le but est le même, préparer l'étape à venir. Donner le maximum d'infos aux coureurs, vent, dénivelé, pièges à éviter. Et plus t'avances et plus ça grossit. Non, pas dur. On est des coups d'accélération. C'est normal, hein. J'ai construit ta planète au fond de mon cerveau. Pyrome. J'ai Jean-René qui chante si tu chopes une gastro à la première étape de montagne. T'es vidé, t'arrives à 3 quarts d'heure. Et la première semaine tranquille, tu t'es chié dessus, la plonge des belles filles. T'as pris 3 minutes. C'est pas grave, tu prendras une échappée, tu reprendras un quart d'heure. Tu joueras. Les câbles, voilà. Ça va ma grande? Fais un bisou. Bonjour. T'es venu voir papa? Coucou. Ah ouais? T'as pas trop manqué? Si? Oui. T'as été la semaine à l'école? Oui. Qu'est-ce que t'as fait? Hein? Ouais, c'est ça. Aujourd'hui par contre, le 15, kilomètre 0, il va falloir être présent. L'oise de la giclette, on t'a vu. Avec la cuve des chiottes au vide parce qu'il va la remplir. Elle a... Non, mais bon,
Puis bon, le tour, ça passe vite, hein. 21 étapes. Les occasions d'aller en claquer une, il n'y en a pas 50. Hein. Donc, on enlève les chronos, on enlève les arrivées au sommet qui sont réservées vraiment aux grimpeurs. Après, les étapes qu'on peut aller choper, il faut y aller, quoi. OK ? Davide Malacarne a été un virtuel maillot jaune pendant son échappée. Parti au kilomètre 7, repris à moins de 3 km de l'arrivée, dû aux réalités de ce début de tour. Comme les chutes toujours plus nombreuses et spectaculaires. Et cette fois, il n'y a pas eu de miracle. Pierre est tombé lourdement, coude ouvert et douleurs aux côtes. La belle échappée continue.